Excusez-moi. Bonjour. Oh putain. Désolé, j'avais pas vu. Excusez-moi, je dormais. J'ai passé une grosse soirée. Hein. Je dormais fort fort. Bah vous étiez bien, ça se voit. Non, sérieux? Je ronflais et tout? Oui, y'a pas de soucis. Ah putain, je suis désolé. C'est quoi votre prénom? Nguyen, Toan. Venez m'aider, s'il vous plaît. Laissez-vous juste là. Laissez couler, laissez couler. Encore? Ouais, ouais. Wow, là c'est bon, je suis réveillé. Allez, on y va. Allez-y, installez-vous. Wouh! Vous êtes nouveau? Je fais ça. J'ai le niveau d'études, tout ça, mais j'ai fait des bêtises dans ma vie. L'escroquerie. Vous connaissez Taxe Carbone? Non. Vous avez pas vu le film sur Netflix? Taxe Carbone. Enfin bref, voilà, ça c'est des travaux d'intérêt général. Et juste au parler. Vous venez pourquoi à l'origine? C'est Séverine qui voulait que je vienne pour un récap parce qu'en gros je devais. C'est qui ça, Séverine? C'est ma. C'est une connasse. Non, mais c'est. Mais dites-le, hein, vous pouvez le dire. Hein. Non, il est gentil. Non, c'est une connasse, dites-le. Je suis sincèrement, j'ai vu que des cons ici. Mission locale, pas mission locale. Mec, il me charrie parce que je suis bien habillé. Non, c'est vrai, vous êtes bien habillé. Non? Oui, vous êtes bien habillé, j'avoue. Vous avez un style de baseball. Ouais. C'est un style. J'ai un style, moi. C'est Peaky Blinders, moi. Moi, je suis très Peaky Blinders. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Bon, en ce moment, je fais que ça parce que. Je vais pas vous mentir, c'est la catastrophe. Hein. Ma femme m'a quitté. Et depuis, c'est la bouffe au micro-ondes. C'est. C'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait alors au final? C'est quoi le sujet là? Je veux devenir pompier moi de base. Oh. Si par exemple, si on habite à Marseille, bah, c'est que dans le secteur pompier de Marseille en fait. Je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller vous habitez où? De Cassis. Bah, là maintenant j'habite à Marseille. Sauf que à Marseille c'est les marins pompiers. Moi je veux pas marins pompiers, moi je veux sapeur pompier, c'est pas pareil. Du coup, bah, il fallait. Sapeur et marin, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Oh, excusez-moi, j'ai mangé du riz à midi. Ne vous inquiétez pas. Tiens, ouais, je te l'ai dit. Ah ouais, je te l'ai dit. Mais je te l'ai dit. Mais je suis nature, hein. Non, tu sais, je suis le seul conseiller, comme ça, mais je t'ai survie dans Max. Ah ouais, je suis là. Mais c'est un crack. Ah ouais. Par contre, tu auras du boulot, et moi. Je peux te parler nettement. Oui, vous inquiétez pas. Il y a des pots de vin là-dedans. Des pots de vin? Ouais. C'est quoi l'expression? Je comprends pas. Ben, les pots de vin, c'est quand, par exemple, vous voulez quelque chose. Oui. Par exemple, le mec de la caserne des marins de pompiers de Marseille. Elle est dans le cinquième exactement, la Timone. Pour faire rentrer quelqu'un titulaire, c'est 1700 euros. Ah, mais le. Genre, il n'y a pas de. 1700 euros, il vous fait rentrer pompier. Moi, je l'ai fait déjà. Sans diplôme, sans rien. C'est quoi ça? Ils t'ont proposé un contrat de travail? C'est quoi ça? C'est compliqué. En gros, j'ai travaillé en tant que serveur, sauf que je me suis embrouillé avec ma patronne. Du coup, je Ah, non, mais c'est pas sérieux ça. En gros, elle avait un. Elle avait un air de supériorité. Et dès qu'il y a une personne qui est un peu trop. Elle était raciste? Non, même pas. Oh, ce putain, je déteste les racistes. Ah non, c'est incroyable. Ah, mais tu peux l'insulter. Je les déteste. En ce qui concerne les 1700, vous avez quel âge? J'ai 19. Est-ce qu'on peut s'arranger pour que vous ayez 17? Parce qu'à 17, il ne peut pas me demander l'album, les sous. Je vais lui dire le minot. Il va avoir 18 ans en fin de l'année. Une fois que vous avez mis le pied dedans, il ne peut plus vous enlever. Je sais pas si vous connaissez Twitch. Hein? Twitch, vous connaissez? Ouais, ouais, ouais. Du coup, la mission locale, j'ai vu il y a récemment. Twitch, des hamburgers, tout ça? Non, Twitch. C'est quoi ça? C'est un. McDonald's, c'est comme Twitch? YouTube. Non, pas Twitch. C'est quoi? Twitch, c'est ça. C'est des hamburgers. Non, c'est pas des hamburgers. Non. Non, c'est comme YouTube, mais. Au lieu que ce soit des vidéos, entre guillemets, où il y a les montages, etc., c'est tout se passe en direct, en fait. Twitch, Isabelle? Ouais, Twitch. Tout se passe en direct. Et vous voulez faire quoi avec ça? Pour le moment, j'en fais mon passe-temps, mais j'aimerais bien... Travailler avec la mission locale sur Twitch? Ben, en fait, ils sont affiliés à ça, en fait. Mais il n'y a que ça! Vous êtes des malades, hein. C'est ça, Twitch, hein? Ouais, c'est ça. Et en gros, tu te mets en face de l'écran, ouais, tu parles. Et non, fais un boulot sérieux. Non, mais non, sapeur-pompier, non, mais sérieux. C'est mon fils, il voulait faire ça. Putain.
Mais du coup, si, parce que du coup, je voulais en parler avec Séverine par rapport à ça, parce que du coup, la mission locale, ils ont un compte Twitch. Et du coup, je voulais savoir. La bonne idée, ça s'appelle. Ah oui, c'est ça. C'est ça, Ouais. je connais. Tu es grande taille? Ouais, je suis à Montre-moi. 1m80. Et je vous montre la Ah taille. oui, eh ben oui. Pourquoi faire? Recule, recule. Et les planches, tu es déjà arrivé? Mets-toi là, C'était déjà pour les voir la planches. taille de la planche, exactement. La planche, tu connais ou pas? Non, c'est quoi? Quand tu montes sans les bras là, et les jambes, tu n'as jamais fait ça. Non, Mais tu connais pas? Mais vous avez zéro culture générale. Tu veux faire pompier? Si toi, faut que j'efface l'historique, tout à l'heure, Tu connais pas ça? Ça, c'est une épreuve à passer. Ok. La planche, elle est à je sais pas combien de mètres. Mmh. Il faut que tu te hisses. Tu n'as rien pour les jambes. Bon, on fait un muscle-up, quoi. Hein? On fait un muscle-up. Le muscle-up. C'est quoi Ouais, ça? T'as jamais déjà entendu parler? c'est ça, c'est comme ça. Une traction? Une traction, mais Non, mais beaucoup me plus sors pas dur. les termes techniques. Non, mais Toi, ça me sort les termes techniques. Je comprends rien. Hein. Je peux répondre? Oui, non, vous inquiétez pas, dis-y. Allô? Je t'explique déjà, je suis en train de travailler. Tu m'appelles toutes les minutes. Si, tu m'appelles toutes les minutes. Et en plus de ça, je t'explique. Ça va, avec ce que tu as fait ce matin, ça suffit. Ah, je deviens Ah, fou. désolé, répondez. Il n'y a pas de souci. Je suis en train de travailler. Mais je t'explique. Mais alors, regarde, c'est ton père qui paye les factures? Donc. Mais va te faire enculer, vas-y, c'est bon. Je suis désolé, hein. N'y a pas de souci. C'est qui? C'est un collègue de travail? C'est ma femme. Ah, ok, d'accord. Je vais pas appeler un collègue de travail bébé. Je sais Oh, je travaille là. D'accord? Je travaille! Je m'en bats Je suis désolé. Non, mais incroyable. Il faut pas pleurer, c'est rien. Encore? Ah mais répondez pas, c'est bon. Allô? Je t'explique. Bon, regarde, non, mais je t'explique. Tu as vu ce que tu as fait ce matin pour les enfants? La putain de ta mère! Hein? Tu as cru que j'étais où? Tu me prends les enfants comme ça? Tu me prends les enfants comme ça? Je me bats les couilles! Ça va aller, ça va aller, c'est rien. Ah, c'est rien, faut pas pleurer. Si tu veux, on règle, on fait notre truc vite fait, et après, si tu veux, on peut en parler. Ça fait très bizarre. Alors déjà, je rentre dans la salle et je vois le conseiller qui dort. Et je me dis, alors déjà, ça, c'est incroyable. C'est un endroit où jamais de ma vie, je penserais dans ma tête à me dire, vas-y, je vais me faire pranker à la mission locale, quoi. Enfin, franchement, c'était trop une bonne expérience.